vie est un long voyage dont le retour c'est la mort, ouais. La vie est un long voyage dont le retour c'est la mort, ouais. Oh. Yo lenga manje obshanda kuombe kola u kutunjule. La grande famille batangebe. La famille somjangpu. C'est votre enfant. Monsieur Tamjobetin qui me charge de vous dire ceci aujourd'hui, mes chers amis, écoutez-moi très bien. La vie est un long voyage dont le retour c'est la mort, oui. S'il dit cela, mes amis, c'est parce qu'un grand matin, oui. Pendant qu'il se vantait que son papa avait déjà 105 ans, Madame Tamjo Annie lança un grand cri, un cri de détresse. Oh, oh, hey, hey, hey. Papa n'est plus mon cher beau-père. Mande d'Alem, du Mbogtagu, Makous. Ce papa qui était né vers 1911, là à Bangoko, ya ya. Ce papa, grand commerçant, grand boucher, grand éleveur, grand amoureux, qui avait eu beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Oh, les enfants dynamiques, oh, yeah, yeah. Le jour de sa naissance, on l'avait appelé Tagu Makous. Il avait eu beaucoup d'enfants au corps. Aujourd'hui, il s'en est allé sans nous montrer le testament, sans même nous dire au revoir. Ouais. Oh, la mort. Nous nous posons la question de savoir ce que tu cherches chez nous. Dois-tu être quelque chose inévitable? Et tu n'as pitié de personne. La mort. Si nous te rencontrons un beau jour sur notre chemin, nous te rappellerons au moins 18 fois. Et si nous dansons aujourd'hui, c'est pour noyer les soucis, oh, la mort. Qu'est-ce que tu veux de nous? Que veux-tu de nous? Oh, oh, la famille Mbungogo, oh, de Papa Tagu Makous. Papa Kambola Koyola Nangakala, ouais, ya ya. Kuchep, 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 kuchep. Poussa, 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 poussa. Oh, Ika, Chaba. Si vous nous entendez pleurer aujourd'hui, mes chers amis, c'est à cause de la mort qui nous a rendu visite. Avec la complicité d'une longue maladie, elle nous a arraché le bel. Papa Tagu Makous, le papa des enfants, le grand-père des enfants, l'arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-père au corps. Et que dirais-je encore, oui. En 1911, il était né. Après être grand, il s'était marié et a fait beaucoup d'enfants dans la vie, je vous assure. Les enfants dynamiques, les enfants très aimables, oh ya ya, travailleurs,
Aujourd'hui il s'en est allé au corps. Et c'est le moment pour nous de consoler les enfants en leur disant ceci. La vie est un long voyage dont le retour c'est la mort, ouais. La vie est un long voyage dont le retour c'est la mort, ouais. Wapi woko biyunde menja tatinzo mamenza bilo. Mamen chebi, chebi tunde lingmi. Chebi ndivu chitawuzi. Mam sabi mba yonjumkwele mama wo. Oh ya lo, ya ya. La communauté Bangou. Merci pour la cérémonie, merci vraiment pour tous ceux qui ont œuvré pour que la compétition ait lieu, pour faire la grandeur de la cérémonie, vraiment merci. Je me sens vraiment content et aussi tous mes amis là sont contents parce qu'ensemble on s'entraîne et ils savent qui est le plus fort. Je dis merci à mon président Justin Chouante, il est de ce village, le tout premier président d'un club de cyclisme à l'ouest. Il nous a amené au Grand Prix Chantal Biya autour du Cameroun plusieurs fois. Merci à tous ces petits, tous ceux qui aimeront faire le vélo. C'est le travail, c'est l'entraînement et puis ça va. Je suis sorti deuxième de la course. Puisque le vélo c'est l'entraînement avec notre capitaine. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour sortir deuxième malgré les pannes mécaniques et malgré la chute que j'ai eue. J'ai fait mon effort, je me suis battu pour sortir deuxième grâce à l'entraînement. Merci pour tous ceux qui me supportaient. Je suis sorti troisième sur cette compétition. Ce n'était pas facile pour moi. Nous avons beaucoup bossé. C'est grâce aux entraînements que j'ai pu supporter. Et là, je dis merci à tous ceux qui me supportaient en route, qui me donnaient de l'eau, qui me versaient de l'eau aussi. Merci à tous ceux à qui nous ont accueillis à notre arrivée là. Je dis merci beaucoup et à tout le village aussi. Pour commencer, je dois avoir dit merci au Tout-Puissant qui a permis que nous partons et que nous sommes revenus dans de très bonnes conditions. Malgré les chutes que nous avons fait en route, il n'y a pas quand même eu des cas graves. Je dois avoir dit merci au Seigneur Jésus pour tout ça. Et bon, je dis à tout le monde que c'est le travail qui paye. Quand tu travailles, tu dois être fort.
Oui, bon, je dois admettre que je n'ai pas pu finir la compétition. Oui, je dois dire que, bon, j'ai eu une panne en route. Mais dis d'abord merci à Dieu parce que je ne me suis pas blessé. Je lui dis, lui rend grandement merci. Il y a de cela peut-être 6 mois, je me suis plus entraîné. Aujourd'hui là, j'ai pris le vélo, je me suis mis à pédaler. Je remercie beaucoup la ville de Bangui. Bon, au début, j'ai pris mon échappée, j'étais sûr d'aller jusqu'à la fin. Parce que moi, j'étais sûr de moi de partir jusqu'à la fin. Mais au retour, il y a les campers là qui m'ont pris peut-être à quelques kilomètres de l'arrivée. J'ai vu que je ne pouvais pas supporter et j'étais obligé d'entrer dans le car pour faire le retour. Les sièges sont bons. Il n'y a pas de problème. Malgré que j'ai eu la chute, mais c'est moins grave. Mais malheureusement, j'ai eu une crevaison. Mais ça va aller. Je remercie le village Bangou d'avoir organisé cela pour nous encourager. Mais malgré toute cette falaise, je suis fier d'avoir résisté à cela. Cela, je suis fier. Merci. On a préféré organiser cette course pour animer le funérailles de Babamba, qui est notre père. Et il y a un ami qui m'a dit, américain, c'est ton père, oui. Et je veux t'envoyer mes coureurs, ils vont célébrer avec toi. Ah oui, ah oui. C'est l'américain lui-même. Ouais, ouais. Donc, ah oui. Ils sont venus parler d'un ami, justement, qui est mon frère, justement, Choctu Justin, qui est comme le président. Justement. Ils ont fait beaucoup plus de compétitions, chantant tout le tour du Cameroun, chantant via tout ça. Même chez Marozette, Maman Rosette là, ça m'a dit Maman Rosette a réussi. Ici même à Barankop. Oui. Et je suis vraiment très content. Ce qui s'est passé, bon, la course, ça s'est passé sans problème. Malgré qu'il y a eu des déraillement, mais ça peut y en manquer. Il n'y a pas eu de choc. Merci beaucoup.